Coucou tout le monde, nous sommes dimanche matin, dimanche 3. Ouais. Non, on est 3, c'était vendredi 1er. Dimanche 3 avril. Quelle heure qu'il est donc? Il est 10h moins le quart. La nuit s'est relativement bien passée. Moi j'ai le sentiment d'avoir quand même beaucoup toussé et de m'être réveillée 3-4 fois, d'avoir eu 3-4 suées. Mais Simon dit que j'ai dormi plus profondément, enfin que j'ai plus dormi que les autres nuits. Voilà. Donc, en tout cas ce matin je me suis pas réveillée avec la tête dans le bocal. Donc c'est déjà mieux, mais j'ai quand même pris un Doliprane dès que je me suis réveillée. J'ai un petit peu craché ce matin, j'ai beaucoup mouché aussi. Mais voilà, je me sens un peu moins fatiguée que les autres matins là. Mais c'est pas encore pompé l'op la grande fête. Hein. Donc là j'ai plus de cachet à prendre parce qu'elle m'avait prescrit pour 3 jours. Donc j'ai pas persévéré parce qu'elle m'a fait une prescription pour 3 jours, mais la pharmacienne m'a donné une boîte avec 20 comprimés à dissoudre sous la langue ou à dissoudre dans l'eau là, enfin le truc plâtre dégueulasse. Donc voilà, signe que je suis sur la voie de guérison aussi, je commence à avoir des boutons partout. En général quand c'est la fin de maladie, j'ai l'impression que mon corps expulse les microbes par des boutons. Donc j'ai des boutons sur la tronche. Et voilà, sinon bah, ce matin ça a été assez rapide. Je me suis levée, c'était quoi, 8h20, 8h15, 8h20. Lancelot a enchaîné, hein. De toute façon c'est parce que j'ai vu qu'il avait les yeux ouverts que je me suis levée. La chienne a réveillé, enfin nous a réveillé, mais Simon lui s'est levé, c'était quelle heure, 7h30 7h. Voilà, il fait caca partout en bas, donc il a eu une petite session de nettoyage avant de se recoucher. Et puis bah voilà, après petit déjeuner rapide, moi ce matin j'ai pris des céréales hyper protéinées, mais j'ai pas mangé grand chose, j'ai remis dans le pot. J'ai remis dans le pot, ouais. J'ai pris 3-4 cuillères comme ça, j'ai bu ma petite tisane au thym et au miel. Et puis voilà, la matinée, enfin le début de matinée s'est passé vite. Et donc là on va faire un petit tour au Lidl, parce que on a besoin, enfin Simon a besoin d'un petit truc. Et le Lidl à côté de mon boulot, le rayon concerné, il est tellement tout petit, il n'y avait même pas. J'avais même pas un rayon vide, c'était juste qu'il n'y avait même pas ce qu'il a besoin dans le rayon. Donc voilà, on va tester là-bas, voir si. Enfin, c'est sûr qu'il y a, parce que c'est là-bas que je lui ai déjà acheté. Mais en même temps, on va tester à côté un nouveau parc. Un parc qu'on connaît pas. T'as emmené son. Ouais. Son vélo. Je vais pas dire le mot au cas où on l'ait pas emmené. Mais oui, donc on va voir. C'est un parc floral. Mais comme on va au Lidl, on n'emmène pas la chienne. Puis en même temps, ça permet de tester. On fait un petit tour comme ça pour voir. Et puis, parce qu'on sait pas non plus si le parc floral il accepte les chiens ou pas. D'après ce que tu as vu sur internet, il n'y a pas marqué que c'est interdit, mais voilà, il suffit qu'on l'emmène pour que ce soit interdit. Les photos sur Street View font que tu pourrais penser que les chiens sont autorisés. Ouais. Mais déjà, ce qui nous fait ne pas l'emmener, c'est que là, on commence par aller chez Lidl. Donc on sait très bien que la chienne, on va devoir la laisser dans la voiture. Et moi, je laisse pas un chien dans la voiture. Donc non, je la laisse pas dans la voiture. Donc j'ai dit, de toute façon, elle n'est pas malheureuse, elle est à la maison. Bon, aujourd'hui, elle n'ira pas se promener, tant pis. Mais je sais très bien que demain, quand je vais revenir du boulot, je vais aller la promener. Donc c'est pas très très grave. Mais je pense pas que je vais la promener aujourd'hui, parce que cet après-midi, si j'ai l'occasion de faire une sieste, garantissez que je vais la faire. Je vais la faire, la sieste. Donc voilà, un petit tour au Lidl et après on va découvrir le parc floral. Et puis voilà. Ça va? Oui. Bon bah c'était tout, c'était la petite intro du matin. Et puis bah, espérons que la journée soit un peu plus réveillée qu'hier. Bon, on a de la chance, il fait super beau, bon il fait super froid aussi. Il y a marqué quand même qu'il faisait, bon le thermomètre était en plein soleil, mais il y avait marqué 13 degrés. Mais il a fallu que Simon gratte la voiture et puis il s'appelle un peu quand même. Les portières étaient collées ou pas ce matin? Non. Il y a juste le pare-brise avant. Le pare-brise avant était gelé et les portières n'étaient pas collées. Alors qu'hier il y avait toute la voiture qui était gelée et les portières qui étaient collées comme moi vendredi. Vendredi j'ai les portières de collées. J'avais les fenêtres aussi. Quand j'ai voulu baisser les fenêtres elles ne se baissaient pas. Mais c'est parce qu'il avait plu la veille, donc ce qui fait qu'il y avait l'eau, tu sais, qui s'était engouffrée partout et ça avait gelé dessus. Ça je t'intéresse bien tes. On s'en fiche, c'est ma vie, donc j'ai envie de raconter ma vie, donc voilà, c'est ma vie. Donc je vais vous laisser là et puis on va rallumer la musique, parce qu'un voyage en voiture sans musique n'est pas un voyage en voiture. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Bye! Il y a un monstre, c'est qui le monstre? Y'a quoi? Et Nada. On a le droit d'emmener les chiens. C'est chouette, hein? Par où? Par là. Là, ça va descendre vite, hein? Tu
pense à traîner avec les filles en ce moment. Ça va descendre et tout par là. Oui, c'est chouette, hein. Il faudra en revenir avec le gros chien-chien. Ça va être chouette. Ouh là là. Oui, là-bas, il y a gros chien-chien. Va aller vite, ouais. Va aller vite par terre. C'est super joli. Il y a même un petit parc là-bas, je vois là. Il y a un petit toboggan, tout ça. À mon avis, il a repéré, c'est pour ça qu'il appelle son père. Petit bonsaï. Petit canard. Petit lac, tout ça. C'est joli, joli. On a un beau ciel bleu aujourd'hui. Ça va être un beau petit parc qui va plaire à JP, ça aussi. C'est sympa. Il y a un gros lac là-bas. Ça fait un an, un peu plus d'un an qu'on est là, putain, on en découvre encore. Petit courant d'eau. C'est chouette. Bah il faudra qu'on revienne. C'est joli. Le casque. Non. C'est une chouquette. Non. On met pas le casque yo-yo. Voilà, papa, j'ai besoin d'aide. Voilà. Ah oui, il y a un panneau qui a été mis dans l'eau. Fais pas chaud chaud encore hein, ce matin. J'espère que tout ce froid va tuer les microbes. Pas sûr. Donc, tout ce froid tue les microbes. Vous m'avez toute luisante. Il est 18h30, enfin pas loin. Je sors de la douche, Lancelot est dans son bain. Maintenant, on procède toujours de la même façon tous les soirs. C'est-à-dire que... Oui, j'ai vu. Ah oui, c'est très bien. Il joue avec les lettres, vous savez, les lettres en mousse là qui collent dans la baignoire. Donc il écrit des trucs, enfin il met des lettres l'une à côté de l'autre et il dit c'est écrit ça. Donc bah, je lui dis oui, comme si c'était pas vrai. Oui, donc on procède comme ça, c'est-à-dire qu'on monte, je lui fais d'abord couler son bain, je le lave, et après il joue dans son bain, pendant ce temps je prends ma douche, je m'essuie, je m'habille qu'à moitié, hein, je mets pas le haut et je mets pas les chaussettes, parce que je sais très bien qu'après quand je vais le sortir et l'essuyer, il va me tremper, donc j'ai mes sous-vêtements et j'ai mon bas de pyjama,
Voilà, donc là, il a encore envie de jouer, il y a la musique. Dans le bain, on met toujours des pastilles de couleur. Voilà, donc il a des petites, donc de la marque Crayola, hein, spéciale pour les enfants. Et donc, il s'amuse là-dedans. Il voulait des mélanges avant, il voulait souvent... Bon, il y avait trois couleurs dans les trucs. Il y avait rouge, bleu et jaune. Et souvent, il me demandait du vert, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a tout le bleu et le jaune qui est parti. Et donc, maintenant, il ne reste plus que du rouge. Donc, il me demande du gris, par exemple. Mais je lui dis, je peux pas, il n'y a que du rouge. Donc là, ça fait déjà 3-4 jours qu'il est avec que des bains rouges. Il faut que je rachète des trucs pour lui faire de la couleur dans le bain. Cet après-midi, moi, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir vraiment une heure en fractionné. Mais sinon, quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai regardé une vidéo en entier. Et après, quand j'ai regardé une deuxième, je me suis endormie devant. Et je me suis réveillée après à 4h. Il devait être 4h. Oui, après. Il dit qu'il veut aller se reposer pour être en pleine forme. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je me suis réveillée à 4h et j'ai regardé deux autres vidéos avant qu'il soit 4h30. Parce que lui, apparemment, il a dormi de 2h30 à 4h30. Simon était en bas, il a un petit peu regardé... des trucs, s'il a un collègue qui est parti faire le tour du monde et qui a ouvert un blog, donc du coup il regarde un petit peu, il a regardé un peu les aventures de son collègue et il s'est un petit peu reposé aussi. Là en bas, il était en train de changer les patins des chaises, ça lui a pris comme ça, comme une envie de pisser. Il dit ça fait super longtemps que je dis que je veux le faire, et d'un coup il a retourné les chaises, il s'est mis à changer les patins. Donc voilà, on est monté, on a pris la douche, on l'a laissé faire. Ce soir, ça va être un petit peu menu. Chacun fait sa bouffe. Lanceau a bien kiffé hier le croque-monsieur au fromage, donc il revient un croque-monsieur au fromage ce soir. Simon, lui, je lui avais acheté une feuilletine comtoise pour ce midi, mais ce midi, ils se sont pris un McDo. Voilà, quand on est rentré de la balade au parc floral, il s'est pris un McDo. Il en a pris un aussi à Lancelot. Moi, j'ai mangé autre chose, un reste. Et ce soir, je me fais un bouillon. Voilà, j'ai déjà dilué là, le bouillon dans l'eau, il y aurait juste à la faire réchauffer. Un bouillon de légumes, voilà, parce que je suis un petit peu, voilà, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Et lui va manger sa feuilletine comtoise ce soir, et donc Lancelot croque-monsieur, voilà. C'est un petit peu, chacun fait ce qu'il veut ce soir. Voilà, demain, ce soir, je pense qu'on va se coucher un petit peu plus tard, on va voir si je résiste ou pas, hein. Si je vois pas la fin du film, ça sera pas un drame. Ce sera pas un drame, c'est un truc sur le crocodile, là. Il y a une espèce d'inondation dans une ville. Et ben, y a un crocodile qui s'est échappé de je sais pas d'où, et puis donc qui finit dans une maison. Donc on va essayer de regarder ça, j'espère que ça va pas durer jusqu'à 23h, mais je sens que si. Bon, après dodo, et demain ça devrait être calme au boulot, normalement. Je vais voir avec ma collègue si elle peut répondre vraiment. J'espère qu'elle aura pas trop de rendez-vous, qu'elle prenne le téléphone, parce que moi je peux pas parler quoi. Dès que je parle, je tousse, et maintenant quand je tousse, je me pisse dessus quoi. C'est la catastrophe. J'ai tellement le ventre en fait, j'ai tellement mal que finalement je serre plus rien parce que je peux plus serrer, j'ai trop mal. J'ai vraiment, vraiment mal quoi au niveau de la sangle abdominale que du coup bah, je relâche tout et je me pisse dessus. Donc je suis obligée de mettre des serviettes hygiéniques, c'est horrible. On dirait une mémé. Et puis alors aujourd'hui j'ai encore eu des bouffées, j'ai l'impression d'être en préménopause. J'ai des bouffées, mais après c'est le paracétamol qui fait ça apparemment. D'un coup je transpire, après j'ai froid, je transpire, j'ai froid. Un peu comme si j'avais de la fièvre alors que j'ai pris du paracétamol. Bon, je vais aller voir s'il veut sortir. Il a pas réclamé, mais il arrête pas de dire qu'il veut aller se reposer. Je ne sais pas. On verra ce soir. Bon, demain, comme je vous dis, j'espère que le boulot ça va aller. Demain je fais les courses. Je vais faire les courses, je vais tenter de faire les courses au Leclerc. J'ai pas grand chose à acheter, mais bon, dès qu'on va dans des grands trucs comme ça, c'est plus la tentation qu'autre chose. Je vais tenter d'aller à la pharmacie. Je sais pas si je vais avoir le temps entre les courses, machin, parce que rentrer avec mon caddie dans la pharmacie, ça va pas le faire non plus. Parce que j'ai noté les choses que vous m'avez conseillées là pour un peu fluidifier tout ça et un autre truc pour calmer la toux. Je tente tout. Voilà, je tente tout. Faut que je vois pour acheter des oignons. Il y en a une qui m'a dit aussi de mettre un oignon coupé en deux sur ma table de chevet. On va essayer de tenter ça aussi. Voilà, c'est. Je suis un petit peu au bout du rouleau là, j'essaye tout ce que je peux essayer. Et puis bah voilà, après demain ça va être une journée encore, j'espère, tranquille. Au boulot j'ai 2-3 petits trucs à faire, mais après 3h30 ça passe extrêmement vite. Il faut que je joue avec ma collègue, du coup on devait se caler un temps pour essayer de mettre au clair des trucs au niveau de l'affichage. J'ai 2-3 trucs à faire à l'informatique.
Et puis après les courses, la pharmacie, rentrée, à mon avis, il va y avoir promenade du chien-chien. Je vais regarder la météo. Demain, j'ai prévu le pantalon et le pull. J'ai pas fait de détails, j'ai pas regardé. Ça se trouve, il va faire chaud, ça se trouve, il va faire froid. Mais ils annoncent. On est toujours dans la vague de froid. Et ils annoncent un temps pas terrible, je crois. Donc voilà. Voilà. De toute façon, demain sera un autre jour et on va se reparler demain. Oui ? Oui, Namo ? Oui ? Il ne répond pas. Il m'appelle, mais il ne répond pas. Bon, je vais vous laisser là. Je pense qu'il ne va rien se passer de plus aujourd'hui. Ça va être encore un rikiki. Bon, en même temps, c'est pas plus mal que je vous fasse des vlogs de entre 15 et 30 minutes grand max. Ce sera très bien. On va dire 45 minutes grand max. Parce que moi qui suis habituée à faire des énormes trucs, mais comme je vous filme tous les jours, au bout d'un moment, ça va être un peu redondant. Surtout que là, en ce moment, c'est un peu de la redondance. C'est-à-dire, je vous tousse dessus, je me plains parce que je vais crever. Voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc, voilà. Bon, j'espère quand même que malgré tout, vous êtes contents qu'on se retrouve un petit peu tous les jours. J'espère qu'on va aller vraiment vers le mieux et qu'on va faire des trucs un peu plus sympas. Cette semaine, j'ai quoi ? Bah, y a le retour de course demain. J'ai rendez-vous pour épilation mardi. Je vais tenter d'aller à la piscine mercredi, mais je vous garantis rien. Et du coup, si j'y arrive à y aller mercredi, je tenterai aussi jeudi, vendredi, on verra. Voilà, et je vais commencer un peu à faire des trucs. Il faudrait que je vous montre aussi, peut-être mardi, parce que je pense que la séance de dépoilage, ça va pas non plus prendre 3 heures de vous en parler. Mais vous montrer une commande Foodspring. Et puis après, ouais, peut-être le mercredi, après la piscine... essayer de trier ce qui est trop grand dans mon armoire. Parce que avant de pouvoir mettre des choses dedans, je voudrais sortir des choses, vous voyez. Avant d'aller trier les pantalons, les choses comme ça, je voudrais... Voilà, j'ai déjà fait le menu de course... Enfin, le menu de la semaine. Ça me chatouille. Le menu de la semaine, j'ai fait tout à l'heure avec Simon. J'ai fait ma liste de courses. J'ai mis dans mon sac. Normalement, tout est bon. On est tout prêt. Tout est bon. Voilà. Bon, bah, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Avec la médecin qui m'a dit qu'en 3 jours j'allais être guérie, ouh, pompez-le, que c'était viral, que ça allait passer. Et que là c'est la catastrophe quoi. Je sais pas jusqu'où je vais tenir avant de retourner la voir. On verra bien. Bon, bah je vous fais sur ce de gros bisous. Je vous parle en soutif. Hein. Bah, écoutez, hein, on est une chaîne intimiste, puis c'est tout. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!